Faute de train, il y aura sans doute beaucoup de monde sur les routes cet après-midi et ce soir pour les départs en vacances. La prévention appelle à la prudence, notamment des Franciliens. Parce que fatigue, parce que tension nerveuse après 15 jours de grève, c'est peut-être mieux de dormir ce soir et de partir demain, dit Anne Lavaux, déléguée générale de l'association Prévention Routière. Après 15 jours de grève, les Franciliens sont fatigués et surtout ils ont une dette de sommeil qui est importante. Or vous savez que la première cause de mortalité sur les autoroutes, c'est la somnolence. Donc au moment où on va prendre le volant pour rejoindre sa famille, eh bien il faut essayer au maximum de solder cette dette de sommeil en consacrant une nuit minimum de 8 heures avant de prendre le volant. C'est vraiment indispensable. Donc si vous aviez l'intention de prendre le volant ce soir, soldez votre dette de sommeil en consacrant une bonne nuit de sommeil et prenez le volant demain. Ça vous assure une meilleure sécurité pour vous, mais aussi pour l'ensemble des personnes que vous allez retrouver sur la route. Anne Lavaux de l'association Prévention Routière en micro-Europe 1 d'Hélène Terzian.